La vie, c'est comme une boîte de thé. On sait toujours sur quoi on va tomber. Car c'est marqué sur l'étiquette et on connaît le goût. Y a aucune ruse. Ton esprit, c'est comme le petit sachet. Si tu laisses trop longtemps se noyer, tout devient aussi écœurant que bête. Voilà ce qui se passe quand ça infuse. C'est dangereux, tous concernés, on n'en parle pas dans les écoles. Pour toucher du monde, tenter de faire de la prévention. Quand est-ce qu'on marque sur les paquets de clopes et les bouteilles d'alcool? Que la consommation de médias doit se faire avec modération. Parce que ça infuse nos vies constamment sous influence. T'étonnes pas d'être impulsif quand tu vis sans nuance. C'est banal à ton insu, insidieux comme la violence. Apprendre la défense par l'insulte, c'est tirer sur l'ambulance. Comment être plus heureux? Ça me serait pas venu à l'idée. Mais c'est fou comme je vais mieux sans les actualités. Y'a que quand je dis que je suis dans le déni, que je fais pas preuve de naïveté. Je me sens plus proche de la vraie vie quand on m'impose pas le faux du vrai. Tout le monde pense avoir raison. Bienvenue dans le repas de famille. Le débat naît dans l'opposition. Il mourra dans le conflit. Le conflit n'est pas la solution. Il appelle à la chercher, à camper sur nos positions. On n'est pas prêt de la trouver. Consommateur ou média, dis-moi qui est responsable. Celui qui dit de se jeter du pont, celui qui adore sauter dans l'eau. D'habitude j'écoute tous les points de vue. J'aime faire l'avocat du diable. Mais à quoi bon perdre son temps si le tribunal est sur les réseaux? Casse au vide, ça fait la haine. La deuxième partie est sur Twitter. Je commence à regretter les docus sur la campagne de Pernod. Ça va trop vite, j'sais plus moi-même ce qui est normal et ce qui m'écœure. Les politiques font leur campagne sur un média qui fait du porno. Tout le monde danse et chante en chœur sur des chansons misogynes. T'inquiète donc pas des conséquences, on n'écoute pas les paroles. Par contre c'est chiant, on comprend rien quand y a plus de deux syllabes dans tes rimes. Le reggaeton c'est romantique quand on parle pas l'espagnol. Regardons ce que nos gamins consomment. Question de probité, faudra peut-être moins qu'on les console. Éteignons vos bien reçu 5 sur 5, ce qui en somme décrit si bien vos idées. Ouais, y'a bien 5 voyelles, 5 consonnes à la médiocrité. Si t'aimes les desserts, va faire un tour chez le boulanger. Si t'aimes la musique, je connais quelques bandes d'FM. Si t'aimes le grand air, sors de chez toi, va te balader. Si t'aimes flinguer ton sens critique, passe tes journées devant BFM. On sait tous que bientôt le game over donne sacré coup de chaud pour le climat. Tout est électrique pendant que nos valeurs prennent un coup de froid. Chaque fois qu'Eric ouvre sa bouche aussi grande que la fenêtre d'Over. Burton, fais gaffe au sens des mots, actualise pas tes valeurs. Il s'accapare le drapeau par peur qu'il devienne black blamper. Dyslexique des idées, entre ineptie et traitement de l'info. Y'a des titres du Gorafi qui se retrouvent dans le Figaro. C'est pas parce que t'as lu un article qu'ils avaient raison. Ils ont écrit l'article inverse dans le journal de l'opposition. Lis les deux articles et tu verras, t'auras beau avoir le choix, tu choisiras toujours l'article de ceux qui flattent tes opinions. Oh, qui parle de choix? Un catalogue d'apparat. 10 milliardaires qui possèdent 90% des médias, Europe 1, JDD, paix à votre âme. Mais c'est la vie, que voulez-vous? Y'a plus de saison, ma pauvre dame. Vous êtes pas de mon avis, quoi? Vous n'avez pas d'avis? Il vous faut un avis, surtout et surtout pas d'amis. Ni de place à l'empathie, dans la pensée unique qui vous va si bien, selon les algorithmes qui font que ça infuse, ça rend aigri. C'est plus vicieux que ce qu'on croit, ça monte au nez comme la lacrie. Peu d'échanges que des accros, tout voir en noir et gris. Sentir la tension qui s'accroît, faire la gueule comme Bakri, comme tout ce qui est mal, on est accro, ça infuse plus que ça se décrit. On se rend plus compte dans cet ancré. Plus de tableau que des écrans, mais plus grinçant que la craie. C'est en nous, c'était écrit ce que le manque de discernement crée. Tout est conflit, tout le monde a cran. Culture de la peur, c'est sacré, ça infuse.